Oui, bonjour, je suis bien à Zara? Oui. Oui, alors bonjour, je vous appelle parce qu'en fait, la semaine dernière, j'ai acheté une veste balistique dans votre magasin. Et en fait, je me suis aperçu qu'elle fonctionnait mal vu qu'elle ne résiste pas au RPG. Bah, en fait, j'ai acheté une veste balistique chez vous la semaine dernière dans votre magasin. Et en fait. Ah oui, et je me suis rendu compte qu'en fait elle fonctionnait mal vu qu'elle ne résiste pas au RPG. Et donc je voulais savoir si, alors d'ailleurs, si soit c'était normal ou si c'est pas normal, est-ce que je pourrais avoir un remboursement quoi, parce que je suis un peu déçu. La prochaine fois je m'achèterai une armure mastodonte quoi. Alors, vous l'avez acheté dans les galeries Lafayette? Oui, dans votre magasin. Ici même, d'accord. Et ce qui se passe, c'est que ça résiste pas au RPG. Qu'est-ce que ça signifie? Bah le RPG, vous savez, c'est le lance-roquettes quoi. Vous l'avez porté la veste déjà? Parce que Oui. normalement, on ne reprend pas les articles qui ont été Bah portés. en fait, je l'ai testé par-dessus un gilet pare-balles en fait. Donc vous savez, ça n'y a pas eu trop de contact avec mon corps. Oui. Vous voulez que je vous la donne? Alors 5, 8, 6, 3, 7. 3, 7. 2, 5. 7, 8. En quelle taille c'était? Attendez, je vais regarder, hein. D'accord. Allô, oui. Il doit y avoir une erreur sur la référence, ça marche pas. Ah, ça Je l'ai marche pas du pas? tout cet article, non. Parce qu'en fait, je l'ai passé à la machine à laver et l'étiquette s'est un peu effacée. Donc en fait, Bah, dans tous les cas, si vous l'avez porté lavé, nous on peut pas reprendre. pouvez pas Ça, reprendre. c'est sûr, Mais ouais. est-ce que vous pouvez me rembourser? Parce que bon, les RPG, en fait, je pensais que la veste résistait. Alors ça résiste au lance-patate, mais les RPG, pas Mais du tout, quoi. vous portez des vêtements pour femmes, hein? Parce qu'ici, il n'y a que de la femme chez moi, hein? C'est pour ça que je vous demande bien si vous l'avez acheté ici, parce qu'ici moi je ne vends que de la Ah femme, oui, femme, femme. je l'ai acheté ici, oui, je me souviens bien. Vous n'êtes pas allé au boulevard Haussmann dans le magasin Zara, hein? Vous êtes bien allé aux galeries Lafayette. Oui, tout à fait. Mais alors, est-ce que vous vendez des vêtements mastodontes parce que je pense que ça résiste mieux, ça, au RPG? Je comprends pas là, votre veste mastodonte, qu'est-ce que c'est là exactement? Parce que là, c'est du prêt-à-porter. Bah, d'après ce Ça qu'on n'a rien dit. à voir avec des attirails Bah, en de fait, lance-roquettes ou je sais pas quoi. Je comprends vraiment pas là. on m'a dit que je trouverais ça chez vous. Donc, je voulais savoir si vous vendiez des armures mastodontes. Parce que, enfin, d'après ce qu'on m'a dit, hein, ça résiste hyper bien au RPG. Bon, pas à deux roquettes de RPG, mais à une déjà. Parce que, bon, les campeurs, il y a des campeurs qui campent au RPG et souvent ils ont une roquette, quoi. Donc. Le siège de Zara, parce que là je peux pas vous répondre, je comprends D'accord, pas du et tout. vous pouvez pas me rembourser ou un petit geste de compensation comme vous Ah, pas voulez? du tout. Alors, nous, si c'est porté, on rembourse pas du tout. Ah, vous Des remboursez pas. affaires, on ne peut pas, et c'est encore moins déjà si vous avez passé à la machine à laver. Et Ah ouais. il n'y a aucune compensation, c'est soit un remboursement, soit rien du tout. Et là, je peux pas vous rembourser sur Et ça. une armure mastodonte, c'est combien? Parce que. J'en vends pas des mastodontes, je Parce comprends pas ce que vous me dites. que j'avais vu que c'était 15 kills. Donc je me suis dit bah, je peux largement les faire pour me payer une armure mastodonte quoi. Non, bah écoutez, j'en vends pas. Voilà. Vous en vendez pas. D'accord. Et vous vendez un bouclier anti-explosion ou pas? Madame? Ah bah, elle est partie. T'as raccroché au nez.